Le monde se bat sur Internet. Tapez plus fort, peut-être que ça va plus marquer les gens. Et les sceptres sur Internet, je vous parle. Dans vos dialogues frettes, je m'étale aussi, j'éclabousse de métaphores, d'idéologies. Je l'écris pour vous rafraîchir les idées. Vous semblez stressé, appauvri d'espoir, apeuré par les histoires de chaque journal intime écrit sur la map numérique. De nos terres divisées par des bris, je veux dévisser vos idées que l'angoisse a prédit. Pour vous sentir relaxé, votre colonne remontée, vos regards supportés, la gravité magnétique. Appelez-moi sérénité, 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 sérénité. Impossible à percer, sérénité. René, un poème sur une musique peut apaiser les traits de nos visages de granit parfois abstraits. Le paradis est dans la tête, je l'ai déjà trouvé. J'ai conquis ma folie, je l'ai déjà prouvé. Mais faisant le tour du monde que je m'étais inventé, j'ai touché la limite entre la foi qui sourit et le génie qui a tout compris. Je suis l'illuminé qui élimine l'illuminati dans sa psyché. Appelle-moi sérénité. La percée, sérénité. Dans cette société où tout le monde semble apeuré par la perte physique et mentale, je me sens forcé d'être à vos côtés. J'ai conquis cette facette et je sais trouver la lumière de drôle de manière. L'espoir est graffé, l'amour est inné et le pardon peut apaiser toutes les colères. Et le secret pour me garder des tempêtes amères est une idée. Au bout de la haine, t'as rien à trouver. Appelle-moi sérénité.